Coucou les petits copains! Alors aujourd'hui, je vais faire un dessin pour Ethan qui a 8 ans. C'est sa mamie Nathalie qui m'a demandé de lui faire un pompier Playmobil. Alors à vos feutres, à vos crayons et c'est parti! Pour faire un Playmobil. Alors, vous allez faire deux ronds, voilà, l'un à côté de l'autre. Et vous allez les colorier tout en noir parce que de toute façon, le Playmobil, il n'a pas de, petits scintillements dans les yeux. Faites deux points plutôt vers l'intérieur du rond pour faire le repère du sourire. Voilà. De chaque côté, vous allez faire un trait droit, chaque trait du visage, et que vous allez rejoindre ensuite par une courbe. Voilà. Les cheveux du Playmobil. Et ensuite, nous allons attaquer le casque. Donc, une grande courbe vers le haut. Voilà, comme ça. On lui fait un petit pompon, mais bon, c'est pas un pompon, je pense que c'est. Deux traits parallèles, comme ceci. Et ensuite, une petite courbe dessous pour faire la visière. Donc, c'est pas la peine qu'elle soit très grande, la visière, puisqu'il est bien de face. Ceci, deux pointes de chaque côté, c'est l'arrière du casque, en fait. Et le cou. De chaque côté, nous allons faire le col de la veste. Comme ceci. Et vous faites donc les traits, vous voyez, vous avez pris les repères au niveau du col pour faire les traits et tout de la même hauteur. Hein, comme ça, c'est la veste. Là, on part sur les bras. Donc, les bras des Playmobil sont très rigides et très droits. Hein. Donc, ne faites pas de courbes, il faut que ce soit très droit. Et les mains, ben, les mains, c'est tout simple, hein, chez les Playmobil, vous faites un ovale, là, comme ça, hop. De chaque côté. Ensuite, on va faire les ustensiles du pompier, donc la lance. Donc, on lui fait quand même pour qu'il puisse la tenir une poignée. Et ensuite, vous allez doucement. Hein, bah, s'il faut arrêter la vidéo, n'hésitez pas parce que c'est un petit peu plus compliqué. Donc, peut-être. Hein. Donc, ça, c'est l'embout. Ensuite, c'est plus simple puisque ça va être. Voilà. Ensuite, c'est juste deux traits qu'on peut rejoindre. Et le tuyau. Voilà. De l'autre côté, nous allons faire un talkie-walkie. Donc. Ceux qui ne savent pas ce que c'est un talkie-walkie, c'est un appareil. Normalement, il y en a deux. Et chaque personne en prend un. Et en fait, on peut se parler. C'est un peu comme un portable. Mais c'est vraiment que pour deux personnes et personne d'autre pas appelé. J'espère que j'ai bien expliqué. Je ne suis pas sûre. Donc, on descend pour faire les jambes.
on remonte. Alors, les jambes bien écartées hein, chez les Playmobil et toujours bien droites. Hein. Voilà. Et voilà, c'est presque fini. Donc, maintenant, nous allons faire les bottes. Avec les lacets, évidemment. Et ensuite, nous allons passer à toutes les bandes lumineuses qu'il y a sur le costume du pompier. Parce qu'il faut qu'on le voit, cet homme. Hein. Il fait des choses dangereuses. Alors, il lui faut plein de petites bandes lumineuses pour qu'on le voit bien. Donc, à la base, il y en a une grosse et trois sur chaque jambe, trois petites. Vous faites comme vous pouvez, suivant... comment vous avez fait la grosseur de vos outils. Hein. Voilà. Donc là pareil, les bandes, donc trois de chaque côté. Et ensuite, on va en faire sur les bras, des grosses. Voilà, comme ça on voit bien, il risque rien. Et des fois qu'on ne saurait pas ce qu'il fait, ben, on va lui faire des flammes sur le torse. Voilà, avec un rond, c'est le sigle du pompier de Playmobil. Et on va faire le même sur le casque. Et voilà, il est beau hein, quand même ce Playmobil. Et au signe. Voilà Ethan, j'espère que ce pompier Playmobil t'a plu. J'en profite pour te faire un énorme bisou, ainsi qu'un bisou à ta maman, que je n'avais pas vue depuis longtemps, et à ta mamie. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à partager, à vous abonner et surtout ding 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 la petite cloche. Je vous embrasse et à bientôt.